Là, pour le coup, j'étais pas prêt. Au milieu, bah, ce sera une grande place. Hello everybody, this is Philippe et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Dès que je dis bienvenue, il y a le soleil qui nous éclaire. Bon, qui m'éblouit même, je dirais. Je vais revenir un petit peu du côté de l'ombre. J'ai démarré ma vidéo aujourd'hui, place du casino, un peu comme souvent, mais vous remarquez peut-être quelque chose là derrière moi le temps que je parle. Je voulais juste vous dire qu'en ce moment, c'est les mois de janvier, février, tout ça, c'est vraiment quand même un petit peu calme là par rapport à décembre, comme je vous ai dit l'autre fois. Donc je pense que maintenant, je vais juste mixer mes vlogs en deux jours. Parce que sur une journée, j'ai pas forcément énormément de choses à vous faire voir. Je commence aujourd'hui, je terminerai un prochain jour. Je sais pas, dans deux jours, je refais une vidéo et je terminerai ce jour-là. Pour ça, je mixe deux journées et il y a plus de contenu dans une vidéo. Parce que sinon, des fois, ça peut être limite. Ça peut être bien en une journée, mais des fois non. Donc, je vais mixer des journées maintenant, tant que c'est la période vraiment très creuse. Et je disais, donc là, en attendant que je parle, vous remarquez rien derrière moi. Bon, je vous donne la réponse dans deux secondes. En attendant, je vous rappelle juste de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne et mon Instagram qui s'affiche à l'écran. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est la Bentley là-bas, ok. Une Bentley qui a fait du bruit. Ouais, donc derrière moi, qu'est-ce qui a changé sur la place du casino? Déjà, la dernière fois, si vous avez vu mon dernier vlog, je vous ai parlé qu'ils allaient faire des travaux. Donc ces travaux-là, pour l'instant, il reste que des petits trucs ici, voilà. Là, ils ont enlevé tout ce qu'il y avait là, ils ont remis les places pour les voitures, pour l'instant en tout cas. Vous voyez que là, il y a un trottoir provisoire qui a été mis en place. Je vous montre vraiment tout, hein. Genre là, un trottoir provisoire. Et alors, qu'est-ce qui a changé place du casino? Moi, ça m'a choqué quand je suis arrivé. Ils ont viré les palmiers. Bon, déjà, il n'y a plus les déco Noël, ça c'est une chose, mais il n'y a plus les grands palmiers qu'il y avait là. Ils ont tout vidé, il reste que la terre et la butte. Oh, il y a une SLR Roadster là-bas qui arrive. Je vais aller par là, je vais la croiser comme ça. Alors du coup, vous voyez, ils ont tout rasé, tout enlevé les palmiers parce que, comme je vous ai dit, ils vont totalement revoir la place du casino. Bon, déjà, je filmerai ça à l'avancée au fur et à mesure. À chaque fois que je passerai là, je vous montrerai l'avancée des travaux. Mais ils vont faire quelque chose, vous n'êtes pas prêts. Alors voilà la SLR Roadster, pardon. Très sympa. Ah, suivi d'une RS3, plus décapoté. Profite un petit peu des belles journées comme ça. Et tant qu'à faire, je vous ai même pas montré les voitures qu'il y avait au casino là pour l'instant. Bah, ce Cullinan qu'on voit tout le temps, un G, bon voilà. Il y a un G Brabus. Regardez là. Biturbo 700. C'est les tout derniers, hein, les restylés. Par contre, il est en gentil vert. Hein. Il a des OZ. 700. Très sympa. Et Continental GT, DB9, et on va aller voir du côté de l'hôtel de Paris parce qu'il y a 2-3 trucs. 458 spécial, toute rouge, avec des liserés. Et du coup, ensuite, bah, Pista Spider, posé là. Ça, c'était la première livrée à Monaco il y a vraiment très longtemps déjà. Et après, regardez cette Rolls là. Avec la plaque d'immatriculation serbe, comme ça là, genre autocollant. Mais regardez la couleur et les jantes. C'est vraiment, il n'y a rien de commun sur cette Rolls, ni la couleur, ni les jantes, ni la plaque. Là, il se passe un truc. Intérieur comme ceci. On est parti pour une journée à Monaco et peut-être deux journées si je dois mixer avec une prochaine. Si je vois pas cette chose aujourd'hui, je mixerai ça. Mais sinon, c'est parti pour la journée. Hein. Vous connaissez la musique maintenant. Ouais, désolé pour les touristes, mais là, il y a un autre zèbre bus qui arrive. Et oui, à Monaco, un clash zèbre bus peut en cacher un autre. Il a teinté les feux, là. 700 aussi. Est-ce que vous préférez... Allez, bah voilà, question, c'est parti. Est-ce que vous préférez celui-là ou le noir qui est juste derrière? Le blanc ou le noir? Bon, sachant que celui-là, il a les jantes vertes. Celui-là est vraiment tout black. Et celui-là, blanc et noir. Dites-moi en commentaire. Bam! Il a ses jantes. Il a teinté même les feux à l'avant. Donc, dites-moi ça en commentaire. Le noir ou le blanc? Bah, il est posé. Dommage, il y a des plots devant, sinon j'aurais pu faire une belle photo là, vu comme il est posé. Il suffisait de demander.
Ah bah là j'ai eu une belle photo. C'était cool. Le bruit est quand même bien plus étouffé que les anciens, les anciennes générations. Lui, il a les LED que en bas comme ça, vous voyez. Alors que celui-là devant le casino, il a des LED sur le toit. Il y a eu un start-up là-bas. Ah, c'est la Pista Spider. Vous voyez, lui, il a les barres de LED sur le toit. Petite différence, ça, j'aime bien quand même les barres de LED sur le toit. Je suis assez content de la photo que j'ai eue là du G posée devant l'hôtel de Paris. C'est assez sympa. Bon, allez, maintenant on attend la suite. Il y a TDF qui vient de venir se poser à l'hôtel de Paris. On va voir le petit start-up. Bon, il sera pas cold bien sûr, mais c'est toujours sympa. Avec la Pista Spider en face, vous voyez bien la différence de rouge. On peut bien comparer. Startup, il est cold hein. Par contre de la Pista Spider, elle fait du bruit là. J'étais pas prêt, c'était pour laisser sortir le Bentayga Speed. Je suis obligé de crier pour que vous m'entendiez. Ah voilà, ça s'est calmé. Bien aimé les étriers gris de cette perf noire. Hop, DB7 Zagato, j'étais pas prêt à filmer ici du coup. Voilà, c'est très mal fait, mais c'est une DB7 Zagato. Il y a vraiment beaucoup de Zagato à Monaco. Là, on est en dessous du portier. Les amis, je vous retrouve deux jours plus tard. Voilà, deux jours plus tard. On était dimanche sur le début du vlog, là on est mardi. Parce que dimanche, bon après, il n'y avait plus rien à filmer, alors j'ai arrêté. Je me suis dit j'allais terminer dans deux jours. Donc là, on y est. Et vous vous souvenez, je vous ai parlé des travaux Place du Casino. Je vous ai montré vite fait que ça commençait. Donc c'était vraiment il y a deux jours. Donc ils ont commencé le week-end dernier. Là, on est deux jours plus tard. Je me retrouve face à ça. Je suis mais choqué et vous allez tous être choqués. Et franchement, je vais vous montrer à quoi ressemble la Place du Casino face à moi. Je sais même pas quoi dire, genre là, ça y est, là ils sont dans le vif du sujet, les travaux ont clairement commencé. Je vais vous faire voir ça, je pense que là je suis bien placé pour vous faire voir sur une vue d'ensemble. Là mes prochains vlogs à Monaco n'auront plus rien à voir, en tout cas sur la Place du Casino. Ouais, c'est vraiment que l'article tout blanc. Allez, j'ai assez parlé dans le vent, maintenant je me retourne. Voilà à quoi ressemble le casino, la Place du Casino. Alors, pour illustrer ce que j'ai dit l'autre fois, donc là déjà regardez ça, tout est pris là, genre là on peut plus du tout faire le tour en voiture, on peut même plus s'arrêter en voiture devant le casino, les donner aux voituriers ni rien. Là ils peuvent plus aligner de voiture devant l'hôtel de Paris. Là c'est la route à double sens, vous arrivez là, vous repartez là, voilà. Allez, maintenant que j'ai fait la petite vue d'ensemble, je vais avancer dans tout ça. Et ça va jusque tout là-bas, jusque la boutique de montre. Là, le café de Paris, ben, il n'y a plus de terrasse, il n'y a plus rien. Je ne sais même pas s'il est encore ouvert. Peut-être qu'on peut manger à l'intérieur, boire un coup à l'intérieur. En tout cas, il n'y a plus de terrasse. Le nouveau trottoir que j'ai filmé il y a deux jours prend tout son sens. On peut marcher là, on peut pas être sur la route. Petite 992. Oh, franchement, je suis choqué. Même mes prochains blocs, je ne sais pas ce que je vais faire. Genre, d'habitude, j'aimais bien ce côté un peu au casino, mais là, s'il n'y a plus rien, c'est ouf. Voilà, là je suis devant l'hôtel de Paris, ils peuvent toujours réceptionner quelques voitures là qui s'arrêtent, on va dire en double fil, ça passe à côté, donc ça arrive toujours là et ils peuvent les garer là-bas derrière. On a toujours ces places là de libre. Là regardez devant le casino, je vais essayer d'aller me faufiler là-dedans. Ah, c'est quoi cette voiture là qui passe? Je sais pas du tout ce que c'était. Si vous le savez, vous le dites en commentaire.
Donc là, d'habitude, ici, il y a des chirons garés. Hein. Là, bon, il y a toujours l'accès au casino, on peut toujours aller y faire un tour, mais pour les voitures, c'est complètement mort. Je sais même pas s'il y a toujours des voituriers qui les récupèrent, peut-être qu'ils les mettent direct au souterrain. Je sais pas du tout. Là, je découvre en même temps que vous, hein, genre tout ça. J'étais pas prêt. Vraiment pas. J'ai passé la caméra au-dessus deux secondes. Ah là, les touristes, les pauvres qui arrivent à cette période de l'année. Ils sont là, il y a pile les travaux de partout. C'est super. Alors bon, là c'est toujours les boutiques souvenirs. Je vais faire le tour. Ouais, donc là, le café de Paris. Ouais, bah du coup, faut aller à l'intérieur maintenant. Mais en tout cas, il n'est pas fermé. Et là, j'arrive ici, je peux ressortir. Voilà, cool. Bon, bah vu que la place du casino est en plein travaux, je vais pas m'y éterniser longtemps. Je vais déjà faire un petit tour direction les concessions. Voir si on peut avoir une petite surprise. Ça m'énerve le vent là qu'il y a. J'espère que ça gêne pas trop. Regardez au passage ce classe G, il est très beau. Avec le pare-choc Brabus, la calandre noire. Là, les LED Brabus en bas, j'adore ça. Là, vous voyez bien que c'est Brabus. Donc on continue par là. You a queen that must be heaven sent. Pray my soul, I must repent for not telling you what I meant and how I felt. Honestly, I'm used to throwing wishes in a well. My conscience tells me that I could have helped without fail. Voilà, voilà, j'arrive devant les concessions. Alors chez Ferrari, il y a trop rien qui a bougé. Et puis Tributo toujours présente. Il y a une M4 là dans les bouchons. Et voilà la vitrine de chez McLaren. Qui a changé d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas changé. Là il y a une 570 Spider et 720S Spider aussi. Ils préparent l'été chez McLaren, ils ont mis deux Spider et derrière là-bas 720S coupé. Donc c'est en train de tout bouger chez Mercedes. Ouais, je suis en train de remonter, il y a cette Porsche qui arrive à fond. C'est horrible, donc je vais pas beaucoup filmer là dans ces rues comme ça parce qu'il y a trop de vent. Hop, ça j'étais pas prêt. Vanquish, non, Vantage Zagato. Rouge. Là pour le coup, j'étais pas prêt. J'ai entendu un bruit de V12 arriver sur base de V12 Vantage. L'autre jour, j'en ai vu une grise justement. Là, une rouge. C'est vraiment la ville des Zagato, hein, Monaco. Oh, il y a une Aston Martin là, DBS, édition spéciale. Oh, le bruit, regardez ces jantes, les flocons de neige. C'est édition James Bond, je crois. Je sais plus en fait. File un peu, 488, Bentley Super Sport, re-488, avec une belle couleur celle-là. En fait, je vais retourner voir là-bas parce que j'ai aperçu au loin un Cullinan qui est d'habitude garé tout le temps devant le casino ces derniers temps. Je le vois garé là-bas au loin, donc je me dis qu'il y a peut-être un petit emplacement pour les voituriers du casino quand même, parce que je suis pas allé voir jusque derrière, donc là j'y vais voir. Regardez là-bas derrière, il y a des voitures garées en bas, en contrebas. J'aime beaucoup la couleur de cette Bentley là, avec la capote. Tac, et ouais, effectivement, il y a un petit emplacement qui a été libéré là, juste derrière, pour les voituriers du casino. Tiens, tiens, je le découvre là dans la vidéo, F12. Ah, ça peut être très joli, s'il y a du lourd qui est garé là, ça peut faire des photos sympas. Regardez, bon, je vais aller voir plus près. Moi, je vais passer comme si j'étais une voiture. Comme ça, on va voir comment ça se passe. Donc là, à mon avis, ils ramènent les voitures jusque, ouais, là-bas, jusque l'entrée là-bas du casino pour les clients. Là, ils les garent là-dedans. Donc par là, tout autour. Et comme je disais, ça peut être joli certaines fois pour des photos, là. Genre là, imaginez une photo, là, si je le prends, le Cullinan avec la mer derrière, etc. Pour Instagram. D'ailleurs, je rappelle, il s'affiche à l'écran, mon Insta. Ça peut être très joli. Oula, là où la Bentley est garée.
Imaginez une Bugatti garée là comme ça, bam. Faire des plans sympas. Et puis je viens de penser à un autre petit détail. De ce côté-là, ce qui est aussi avantageux, c'est qu'il n'y a pas tout le monde de la place du casino. Je parle de tous les touristes, des fois il y en a mais des centaines. Ils sont devant les voitures, bon, c'est difficile de faire des photos, des vidéos, puis même ils les touchent, etc. Là, c'est un peu plus calme, on est juste derrière. Donc ce sera sympa de voir ce qu'on peut trouver ici pendant quelques mois, le temps juste des travaux. Je pense qu'après, ça reviendra là-haut. Après, peut-être qu'ils vont emménager ici et que ça restera tout le temps ici, je sais pas. Ça, ce sera à voir avec le temps ou si j'ai l'info. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, les voitures, elles sont tranquilles ici. Et on peut faire des petites photos sympas sans trop de monde. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore du lourd. Mais on va attendre, hein, et dans les jours à venir, il y aura peut-être de quoi faire de belles photos ici. Donc là, je suis au-dessus du yacht club qui est là, et je me suis aperçu qu'il y a une jolie 812, super fast, posée comme ça. Me revoilà, je quitte des travaux pour arriver dans d'autres travaux. Oh, elle est immense celle-là, toute grise, Phantom 8. Il y a des travaux en fait, constamment partout à Monaco, faut le savoir. Pour cela, vous les connaissez bien, le portier, là-bas, ça, mais vraiment, là, c'est les exemples principaux, mais peu importe la rue où vous allez aller, il y a des travaux, que ce soit des travaux de la rue, d'aménagement ou bien des immeubles, c'est fou. Bon, là, il y a trop de vent, je vais écourter le vlog, j'ai l'impression. Ouh, là, j'étais pas prêt, nouvelle RS6. Elle fait pas un bruit, c'est vrai qu'il y a une sorte de mode hybride. Vous voyez, là, elle fait pas un bruit. Et bah du coup, pour comparer la RS6, là, à l'ancienne. Bon, enfin, celle-là, vous la connaissez très bien. Hein. Elle a plus rien à nous cacher. Les Daily à Monaco, Aston Martin Signet. Petite Aston. M2. M2 très sombre. Ah oui, très sombre, vraiment. Regardez la config de cette piste, noir, bande jaune. Petite mise au point les amis, là me revoilà place du casino. Ça n'a pas bougé les travaux, mais par contre moi j'ai eu une nouveauté. Je vous ai parlé tout à l'heure de comment tout va être mis en place place du casino, comment ils vont agrandir la terrasse, etc. etc. Il s'avère que j'ai eu entre temps un rendu de ce à quoi va ressembler la place du casino dans quelques mois. Apparemment mi-avril, ça devrait être terminé. Voilà maintenant à quoi va ressembler la place du casino dans 4 mois. Voilà, du coup, comme je vous disais, au milieu, bah, ce sera une grande place. Ils vont remettre les palmiers. Les voitures, là, par contre, ce sera bien à droite. Donc, comme actuellement, là, la terrasse du Café de Paris, elle sera vraiment sur la place. Ça va faire vraiment une place. Genre vraiment une place, voilà. Du coup, on est toujours au point sur les informations ici. Et moi, j'aurais plus qu'à vous montrer ça en vrai, progressivement, au fil des jours où je ferai des vlogs. On verra l'avancée. Hein. Du coup, toute cette butte là, elle va jarter. Ce sera droit, mais ils vont remettre la fontaine au milieu. Ça, c'est cool parce que j'aime bien cette fontaine. Vous voyez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, là, les voitures qui peuvent être garées ici, ça peut vite faire des shootings. Genre vraiment, regardez là, le Gebra bus, il est juste chez les voituriers en fait. Mais là, posé là comme ça devant le casino, on croirait que c'est un shooting photo. C'est vraiment trop beau. Donc par contre, il a les gentils verts, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est toujours beau à voir. Et là, posé là comme ça, je fais une petite photo au téléphone, ça rend super bien. Ça, c'est l'avantage que les voitures viennent se garer ici maintenant, ça peut faire des jolies photos. Bon, bah, il y a toujours autant de vent, donc j'en ai un petit peu marre. Autant de vent, autant de travaux, je peux rien filmer. Donc j'ai assez de contenu pour ce vlog là, je pense. Je vais arrêter devant cette GT2 RS qui est à l'hôtel de Paris. Full black. Elle est assez sympa. Après, je suis juste pas fan de ces jantes là sur les GT2 RS parce que ça fait trop GT3, justement, trop GT3 RS. Sachant que c'est une GT2 RS. Bon, full black, c'est assez sympa en tout cas. Du coup, les amis, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà le cas et le petit pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et l'avancée des travaux et des voitures à Monaco surtout. Je vous dis à bientôt et ciao !